C'est bien moi, Fantômas. Bonjour et bienvenue dans le Le programme Bot est un programme révolutionnaire, vous proposant des méthodes simples et efficaces pour améliorer votre qualité de vie. Rejoignez notre programme dès maintenant et apprenez à devenir une meilleure personne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment pirater un compte Facebook. Commençons par choisir notre sujet du jour, voulez-vous ? Voyons, cette infâme étrange devrait faire l'affaire. Et vous ? Ouais, vous là, avec la tronche de cake, comment allez-vous ? Eh, pas trop mal, ça va. D'ailleurs, je dois dire qu'il y a... Attendez, je vous arrête tout de suite parce qu'en fait, je m'en fous. Dites-moi plutôt, avez-vous envie de pirater le compte Facebook de vos amis pour leur pourrir la vie ? Bah ouais. Mais je parie que vous ne savez pas comment faire, pas vrai ? Ah non, ça je sais pas faire, par contre. Eh bien, ne vous en faites pas, ce problème n'en est plus un grâce au programme. Et à ces méthodes révolutionnaires qui vous permettront de résoudre n'importe quel stupide problème de votre existence pathétique. Sans sas ! Tu l'as dit, comment ça en voulez-vous ? D'abord, installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Allumez-le, puis vérifiez son état de fonctionnement. À présent, utilisez Internet Explorer afin de vous connecter au World Wide Web. Au bout d'environ une dizaine de minutes, vous pourrez accéder à Google. De là, vous rechercherez le site facebook.com. Une fois sur le site en question, vous pourrez alors choisir soigneusement le compte de la personne auquel vous souhaitez accéder. Bien joué, et voilà qui conclut la première étape. Excellent! Bien, passons à présent à l'étape 2, car il est grand temps pour vous d'utiliser l'application FaceBotch. La quoi ? L'application FaceBotch, bien sûr. Il s'agit là d'un programme informatique ultra sophistiqué, vous permettant de pirater n'importe quel compte Facebook au monde. Pour vous le procurer, c'est simple, vous n'avez qu'à utiliser les... Disquettes-botch. Les disquettes-botch ou floppy-botch sont des disquettes ergonomiques de 360 kilo-octets, contenant les logiciels les plus puissants du marché, tels que... Paint, Adibou, mais aussi Paint, Adibou 2, mais également... Paint, Adibou 3, Mario Paint, et plein d'autres. Procurez-vous le logiciel de votre choix dès maintenant et ce sans téléchargement avec les disquettes Botch. En ce moment, à partir de 89,99€ au lieu de 90,15€. Disponible chez votre marchand de journaux. Procurez-vous donc une disquette Botch et insérez-la dans votre ordinateur. Maintenant, laissez cette petite merveille de technologie se mettre à l'œuvre. Vous noterez au passage que l'interface de nos disquettes est aussi simple qu'intuitive. À présent, vous pouvez lancer l'installation du logiciel FaceBotch. Une fois installé, commencez par écrire le nom de la victime, préalablement choisi, dans l'espace prévu à cet effet, puis pressez OK. Wow, pratique! À présent, dans la nouvelle page qui se présente à vous, inscrivez vos coordonnées bancaires, numéro de carte bleue, etc. etc. Et enfin, il ne vous restera plus qu'à entrer la somme d'argent que vous souhaitez dépenser. À ce moment-là, gardez bien en tête que plus la somme est importante, plus le temps que vous pourrez passer sur le Facebook de votre ami sera long. Par exemple, pour la modique somme de 380€, vous pourrez passer 3 minutes 30 sur son Facebook. Cool, hein? Et en plus, c'est amusant. Et voilà, c'est déjà fini, c'était facile. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'appuyer sur Entrée. Automatiquement, un chargement débutera, pouvant durer entre 1 à 2 semaines maximum. Et voilà, c'est fini. D'ici une dizaine de jours, vous pourrez accéder au Facebook de votre ami. C'est pas le swag, ça ? Laissez-moi deviner, vous n'avez pas envie d'attendre ? Ah ouais. Vous préféreriez peut-être une méthode plus rapide ? Bah ouais, sans blague. Vous êtes un vrai casse-couille, vous. Mais vous savez quoi, ce n'est pas un problème. Et oui, car voyez-vous, le programme Botch propose même des méthodes alternatives spéciales casse-couille. Au cas où vous ne seriez pas 100% satisfait par la qualité du service des premières méthodes proposées. Vous voulez donc une méthode plus efficace ? Ok. Alors cassez-vous de là en vitesse que l'on puisse commencer. Ok. Dans cette étape, vous allez rendre visite à votre ami, mais avant ça, il faut vous assurer d'avoir avec vous une batte de baseball, une paire de jumelles, du ruban adhésif, un sécateur, un tournevis, plusieurs trombones, un petit calepin Botch disponible sur notre site web en ce moment dans un pack promotionnel car des plus crayons à 25€ seulement. Bien, maintenant vous êtes fin prêt à rendre visite à votre ami. Commencez par opérer le lieu où il habite, puis rendez-vous-y. Une fois sur place, vous allez discrètement tenter de crocheter la serrure, à l'aide bien sûr du trombone et du tournevis que vous avez préalablement emporté avec vous. Vous remarquerez très vite que cette tâche fastidieuse est aussi longue que chiante. C'est pourquoi si vous n'y arrivez vraiment pas, utilisez simplement la batte de baseball pour entrer en toute discrétion à l'intérieur.
Bien joué, vous voilà à présent à l'intérieur. La suite du plan consiste maintenant à vous cacher avec la même discrétion dont vous avez fait preuve jusqu'à présent à proximité de l'ordinateur de votre ami. Puis vous n'avez plus qu'à attendre. Au bout d'un certain temps, votre ami finira par entrer dans la pièce pour se connecter. C'est donc à vous de jouer. Et oui, car à l'aide des jumelles, vous allez pouvoir tenter d'apercevoir son mot de passe Facebook, et ce, sans même qu'il s'en aperçoive. Toutefois, je ne vous cache pas que cette étape n'est pas particulièrement facile. C'est pourquoi, si vous éprouvez la moindre difficulté, passez à la suivante. Levez-vous donc, et en utilisant la batte de baseball, vous allez subtilement lui péter la tête. C'est bientôt terminé! Pour cette dernière étape, vous aurez besoin d'un lieu où vous serez tranquille, tel que une usine abandonnée, une forêt, ou plus simplement, votre cave. À présent, vous pouvez débuter cette troisième étape qui, en plus d'être la dernière, est aussi la plus amusante. Commencez par attacher votre ami, toujours inconscient, à une chaise, à l'aide bien sûr de votre génial ruban adhésif. Attachez donc fermement sa jambe gauche, son poignet droit, jambe gauche. Bien, vous pouvez maintenant le réveiller en utilisant une tarte. Profitez alors de son éveil pour lui demander le mot de passe de son compte Facebook. S'il refuse d'obtempérer, ce qui est très probable, utilisez alors le sécateur. Placez ce dernier entre les doigts de votre ami, puis reposez votre question. Si le résultat est toujours négatif, vous pouvez alors couper un doigt. Fantastic. Continuez ainsi d'en couper jusqu'à obtenir votre réponse, car votre ami, voyez-vous, possède 5 doigts à votre disposition, plus une autre main, et s'il n'a toujours pas cédé d'ici là, vous pourrez passer aux oreilles, à son nez, ou même son pénis. Et voilà, votre ami est maintenant prêt à vous répondre. Vous pouvez même en profiter pour lui poser d'autres questions qui n'ont rien à voir, telles que « Est-ce que tu baises ma femme ?»« Où est caché le magot ?»« Rambo ou Rocky ?» Une fois que vous aurez le mot de passe, cela dit prudence. En effet, après le mal que vous êtes donné à le connaître, ce serait bête de l'oublier. Aussi, il est conseillé de le noter dans votre super carnet botch que vous aurez bien sûr acheté sur notre site. Et voilà, vous êtes maintenant libre de vous barrer. Et devinez quoi, ça y est, vous avez terminé toutes les étapes de notre programme Botch. Félicitations ! Et bien maintenant que le programme est terminé, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement de profiter du résultat de la qualité de nos services. Retournez donc devant votre ordinateur afin que vous... Waouh ! Mais regardez, on dirait que le programme FaceBotch a terminé son temps de chargement. Et oui, ça veut dire que tout ce que vous venez de faire était parfaitement inutile. C'est con ! Cela dit, c'est la preuve que toutes les méthodes proposées par notre programme fonctionnent à 100%. Mais passons, car maintenant que vous avez accès au Facebook de votre ami, vous allez pouvoir fouiller dans ses affaires, ou même poster plein de messages rigolos, tels que « Je suis gay, je suis pédé, en fait je suis homo. » C'est marrant. Hein, on dirait que le temps permis par notre logiciel est écoulé. Mais c'est pas grave, car ça valait le coup. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Putain, merde, les flics ! Hey, vous voulez proposer le sujet du prochain programme Botch ? Pas de problème, suggérez-le par commentaire. Ou, si vous n'êtes pas un adepte de l'internet, appelez-nous directement au 08 99 55 63 98 75 0001. Une opératrice vous mettra alors directement en ligne avec moi. Vous pourriez donc poser votre question et en connaître la réponse immédiatement. L'appel facture à 3 € la minute. Bien entendu, et comme à chaque fois, vous avez la possibilité de vous abonner en cliquant ici. Tout comme vous avez la possibilité d'aller voir nos autres vidéos en cliquant par là. Puis bien sûr, vous avez la page Facebook et compte Twitter à visiter. Les putains de liens sont dans la description de la vidéo. Ah ouais, et pour terminer, vous devez partager cette vidéo, sinon je viens chez vous et je vous encule. Et c'est pas une image. Maintenant, je vais vous laisser quelques secondes pour cliquer ou ne pas cliquer à l'endroit de votre choix. Et puis j'irai me suicider. Bon, vous savez quoi, en fait, j'ai pas le temps pour ces conneries. Alors salut et à plus !